المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كيف هذا؟ كيف كيف توعد الله تعالى مرتكب الذنوب بالعذاب؟ ورد في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله معناه كان فيها ووعيد شديد لشارب الخمر وللزاني ولتارك الصلاة ولصاحب الغيبة والنميمة هؤلاء قالوا لا يضر مع الايمان ذنب خلاص يوم القيامه تاتي مع الايمان كل الذنوب تقع ولا يح... ولا ي... ولا يعذب مؤمن على ذنب هذا كفر هذا مع انه تأويل لكنه كفر لانه تكذيب للنصوص الحديثيه والقرانيه هذا امر ثبت بالقطع بالاحاديث والقران ألغ On a dit, ce n'est pas toute mauvaise interprétation, tout effort fait euh, sauver la personne. Celui qui a fait une mauvaise interprétation s'agissant des choses catégoriques n'est pas sauvé. Et l'exemple de Lemurgia, c'est une secte qui ont dit, ah, avec la foi, euh, les péchés n'ont pas d'effet, il n'y aura rien de, de châtiment pour les péchés le jour du jugement. Si tu viens le jour du jugement en ayant de la foi, tous les péchés seront effacé et tombé, il n'y a pas un musulman qui sera dans l'enfer à cause de ses péchés. Ils ont généralisé pour tout le monde. Non, ils n'ont pas dit que certains. Ils ont dit tous les musulmans. Alors on a dit ça contredit des versets dans le Coran, des paroles prophétiques. Il y a des menaces au celui de, de celui qui consomme Arriba. Il y a celui euh, qui prend le, le bien de l'orphelin. Il y a dans le hadith celui qui a consommé l'alcool. Il y a même yani, le hadith, il sortira de l'enfer, celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de fois mais sortira de l'enfer, c'est-à-dire il était dedans. Alors ces gens-là, vraiment, ils ont allé à l'extrême, parce que d'après eux, tu peux faire ce que tu veux comme péché, tu viens le jour du jugement avec la foi, il n'y a pas de d'effet. Bon, cette secte n'existe plus, il n'y a plus des, des gens qui appellent les gens à cette fausse croyance. Mais les savants de l'islam ont dit que c'est de la mécrance. Malgré qu'ils ont dit ça suite à un effort, mais c'est un effort qui ne tient pas euh, sur une base juste ou un euh, euh, argument euh, juste il y a beaucoup encore d'autres sectes qui ont fait d'après eux une mauvaise interprétation et ils ont allé à l'égarement hein? on a déjà dit que le motilla ont dit que l'être humain crée ses actes d'après eux ils ont fait suite à une interprétation et encore c'est une parole de mécréance le fait d'attribuer la création d'union à l'existence à l'être humain ايش تاولوا انهم الانسان يخلق فعله قالوا هذا هو الحق و يعني تاولوا بعض النصوص وبعض الاحاديث لكن هذا لا لا يمنع عنهم التكفير قاعدة هذا الآن موضوع آخر سيان نوفو شابيتر قاعدة اللفظ الذي له معنيان يعني c'est une règle des fois la parole elle peut avoir une seule signification et on dit c'est une parole explicite parce qu'il n'a qu'un seul sens et des fois la parole elle peut avoir deux ou trois ou plus comme signification alors la parole qui peut deux significations l'apparence et elle peut avoir un autre sens l'apparence ça donne un sens qui ramène à la mécréance et il a une, un autre sens dans la langue qui soit arabe ou français ou autre langue cette parole elle a deux trois significations un sens qui est apparence et de la mécréance les autres non et on a entendu quelqu'un qui dit ce, ce mot cette phrase il faut pas le déclare mécrayon, parce que c'est possible qu'il إذاً الكلام الذي يحتمل معنيين أو أكثر وكان المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن هو الكفر ولكن لها معنىً آخر أو معنيين. وسمعنا إنساناً يقول هذه العبارة: لا نحكم عليه بالكفر لاحتمال أنه أراد المعنى الآخر، لا يحكم عليه بالكفر، لا يقال له أنت وقعت بالكفر حتى يعلم أنه أراد المعنى الكفري فإذا عرفنا أنه أراد المعنى الكفري قلنا هذا الكفر وإذا عرفنا أنه ما أراد المعنى الكفري لا نكفره وبالتالي إن لم نعرف أيضا لا نحكم عليه بالكفر حتى نعلم فإن قال أردت المعنى الكفري حكم عليه بالكفر وأجري عليه أحكام الردة وإلا فلا يحكم عليه بالكفر سين دي مواجه في زي تل سونس On a dit c'est de l'apostasie, il faut revenir à l'islam, parler de témoignages. S'il a dit non, c'est pas ça que j'ai voulu, et on le déclare pas mécréant. Dans ces questions, il ne faut pas qu'on se précipite et on dise à la personne mécru. Dans la langue arabe, ça prend le sens, la terre qui est un peu élevée et inclinée, ou euh, voilà, inclinée et élevée. On dit Nabi. Et on dit Nabi pour le prophète, celui qui a reçu la révélation. Ouais. Enfin, on a entendu quelqu'un dire, il a dit, euh, faire la prière à la Nabi, et Nabi, c'est... La terre inclinée Et qui est élevée et tu te mets pour prier Tu as risque de tomber Tu n'es pas à l'aise Et alors ça te concentre Et c'est déconseillé Alors s'il a visé ça C'est juste Mais s'il a dit nabi C'est-à-dire Il a visé le prophète Mohammed, Il a dit faire salat pour le prophète C'est déconseillé Il a mécru Parce qu'allah nous a ordonné De faire salat pour lui Et c'est pas déconseillé C'est quelque chose qui est demandé Faitan, إذا واحد قال الصلاة على النبي مكروها فعمهلك أنت بون، واحد هذا يعرف اللغة العربية ويعرف أن هذه تأتي معنى الأرض المحدودبة لأن الصلاة عليها تمنع الإنسان من الخشوع فبالتالي ما حيخشع في الصلاة فبصير في كراهة فلذلك قال الصلاة على النبي مكروها لا يكفر، أما إذا أراد الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال هذا مكروه يكفر هذا تكذيب للشرع الصلاة على النبي شيء عظيم مطلوب عبادة من العبادات من صلى عليه مرة صلى الله له عليه بها عشرة وكذلك إذا قال قائل الخبز خير من الله فإن أراد أنه نعمة من الله فلا يكفر وإن أراد أن الخبز أفضل من الله يكفر الخبز خير من عند الله من الله أي من عنده هذا صحيح le pain c'est un bien de la part de Dieu oui c'est juste c'est un, un bien de la part de Dieu mais celui qui dit le pain est mieux que Dieu il a mécru et dans le, la langue arabe on peut dire min Allah, yani, min tu vois min min ou il veut dire il est mieux s'il veut dire mieux que Dieu il a mécru mais dans la langue arabe il a, il a, cette parole a deux significations alors il faut faire attention هلا ليس كله في بعض الاحيان مثلا بيستعمل بعض من ينتسب الى التصوف التصوف يستعملون شطح كلام بسموه شطح يعني بعيد من الصواب ف ويكون الكلام ليس له معنى باللغه العربيه معنيان لكن هو يقول انا قصدت ولكن باللغه ليس له معنى اخر ليس له باللغه ليس له يقول انا قصدت ولكن هذا ليس له معنى اخر Je vais donner des exemples, bien sûr. Euh, J'ai dit des fois, euh, certains ils s'attribuent au tasawwuf ils utilisent des mots qui n'ont qu'un seul sens, et lui, il prétend que lui, il a visé autre chose. Et je dis, mais ça ne le sauve pas. الخمار هو الذي يسقي الخمر. الخمار هو الذي يسقي الخمر. سلوي كي ساغ لالكول، اوندي الخمار سلوي كي ساغ لالكول. بعض الصوفيه شو بيقولوا؟ نحن سكرنا بحب الله. كيس سكيل ديز سغتان؟ اوني ايفر دولاموغ دو ديو. طيب لحد هون لحد هون اذا قال سكرنا من حب الله يعني تشبيه عم بيقول عن حاله، اي سكرنا من حب الله، اوني كوم C'est lui qui est ivre, mais suite à l'amour de Dieu, ainsi de suite. Jusqu'à là, il n'y a pas de mécréance. Mais lorsqu'il dit « Allahu al-Khammar », il dit « Mais écoute-moi, qu'est-ce que j'ai vu, j'ai visé C'est Allah qui a mis dans notre cœur cet amour, c'est Allah, tu vois ?» Et il est le khammar, non. ce nom Ce c'est pas une glorification c'est plutôt un dénigrement tu n'as pas à dire pour Allah al Khammar... c'est celui qui nous a fait boire de son amour on est ivre alors c'est puisque il nous a mis cet amour dans le cœur grâce à lui alors c'est lui الخمار نو سامخش باسا هذا لا يمشي وهكذا بعض هذا يقال يعني يقال لهم شطح هذا وهذه الشطحات ستدير دي بارول كي sont لوان d'être جوست il faut toujours avoir le respect de la charia et de la religion et de ne pas utiliser des paroles au bord بدنا دوما نحافظ على تعظيم هذا الدين وتعظيم الأنبياء وتعظيم رب العالمين تعظيم الأحكام لا أن نستعمل كلام لا يليق بالله ولا بدين الإسلام ولا بالأنبياء ثم بعد ذلك نزعم أن نحن قصدنا شيئا وأردنا شيئا آخر وهذا في اللغة العربية لا, لا يأتي في اللغة العربية هذا لا يحتمل في الواحد يقول أنا Un, dit un et il dit un est-ce qu'on peut dire à quelqu'un Tu es un âne Après, il dit Je voulais dire un cheval, mais non, parce que le hémar chez et le cheval, c'est une autre chose. Est la même chose il dit Tu es un lapin, et il dit Oui, je voulais dire un lion. Mais non, c'est deux choses différentes. ما بيمشي هذا فاذا الخمار هو الذي يسقي الخمر وين عم تسمي رب العالمين خمار ها سلوي خمار سلوي كي سخر l'alcool alors comment tu donnes tu tu nommes Allah khamar c'est pas c'est une parole de mécrance et illusiona il y en a beaucoup des choses qui ont été attribuées dans ça c'est comme exemple mais il y en a beaucoup des choses qui ont été dites comme ça حلاج الحلاج الحلاج شيء اخر حلاج Il croit que Dieu s'incarne dans les corps Il croit que Dieu s'incarne dans les corps Et ça c'est de la mécréance explicite là. Il y en a de ces gens là en Syrie, au Sénégal Il y a des gens qui croient que Dieu rentre dans les corps Alors ça, ça n'a rien à voir avec le tawhid, avec l'Islam Ça c'est grave كونتردي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رحمه الله وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنا واحدا منها غير كفر لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفري وهذا الذي هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم. إلى دي لا ميم شوز. أو ديبي دي سيليا دو سونس Dans l'un il y a la mécréance, dans l'autre il n'y a pas. Il ne faut pas déclarer la personne mécréante jusqu'on sait qu'est-ce qu'il a visé. Et supposons il y a la parole, il a un sens de mécréance et il a plusieurs sens où il n'y a pas de mécréance. ou Il a quatre significations de mécréance. Et il y a un seul sens et il n'y a pas de mécréance. Encore il ne faut pas le déclarer mécréant parce que c'est possible qu'il a visé le sens où il n'y a pas de mécréance. Et c'est ce qui a été dit. Par certains savants Hanafites dans leur livre que attention il a dit telle phrase elle peut être s'il a compris le premier sens c'est la mécréance le deuxième c'est la mécréance le troisième c'est la mécréance le quatrième non alors là il faut pas le déclarer tout de suite mécréant même si il y a trois possibilités qu'il a visé un sens de mécréance un exemple peut-être on va Il y a un exemple que les حنفيت ont cité, on va le citer. في مثال على هذا. واما ما يقوله بعض الناس من انه اذا كان في الكلمة 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير اخذ بترك التكفير فلا معنى له، لا يصح بالمرة. Certains diz si au sujet de tel acte, telle parole, ou telle croyance s'il si y a 99 Avis qui dit que c'est de la mécréance et un avis qui dit que ce n'est pas de la mécréance, on prend l'avis qui dit que ce n'est pas de la mécréance. Ce n'est pas du tout juste et ça n'a rien à voir. Bien sûr, maintenant, nous, on ne vise pas le nombre, mais la, les choses reviennent à l'argument, dalil C'est lui qui a dit c'est de la mécréance. Est-ce qu'il a l'argument juste S'il a les arguments justes, alors on prend son avis en considération. سي، si. ceux qui n'ont dit il n'y a pas de mécréance, ils ont l'argument juste et les autres ils n'ont pas l'argument, alors c'est ça. Alors la, les choses reviennent à l'argument. Tu vois? بعدين إذا أنت عم تقول مثلا يعني حسب الظاهر لو فرضنا لو فرضنا أنه مسألة قال فيها تسعين مجتهد عن, عن هذا الفعل عن هذا القول بهذا المعنى تسعين مجتهد قالوا يكفر واحد قال لا يكفر أنت بتقول أخذ بهذا Hein, supposons, hein, yani, il y a au sujet d'un tel acte ou telle parole ou telle croyance, 90 savants de, parmi les imams, les, les grands imams, on dit c'est de la maigrance. Et un, il t'a dit c'est pas de la maigrance. Tu dis je prends cet avis-là Mais comment on dit On dit l'unanimité, al le al al jumhur, jumhur. يعني حتى نقول أن هذا إن إكزيست با أون تيل بارول نيشي المالكية نيشي الحنفية إن يا با سيغتان إز أتريبيو سا شي الإمام مالك مي سا نيكزيست با دون لور ليفر إن يا با سا سي دي جون كي أون أتريبيي مونسونجيرمون كي نيكزيست با دون لور ليفر ولا يصح نسبة ذلك إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيد سابق شبه ذلك إلى الإمام مالك، ألوغ سيد سابق المصري له غلاة الكسوس الإمام مالك ايسيب مونسونج وهذا الرجل سيد سابق فتح باب للكفر والعياذ بالله قال إذا كان إنسان نطق بالكفر لا يقع في الكفر حتى ينشرح صدره وينوي الدخول في الكفر والخروج من الإسلام وهذا كل ما أنزل الله به من سلطان روح شوف بتونس ولا بلبنان بصب ربي طول النار بقول لك أنا ما قلبي مطمئن بالإيمان كيف هذا Hein? Saïd ça, il a ouvert une porte de mécréance parce qu'il a prétendu que pour la parole de mécréance, pour que la personne soit considérée mécréant, il faut qu'il qu aura le cœur apaisé, qu'il a fait l'intention de rentrer dans la mécréance, qu'il a l'intention de quitter l'islam. Alors, celui-là, c'est comme il ouvre les deux portes de la mécréance. Parce qu'après, comme j'ai entendu, j'ai vu en Tunisie, et je connais le, 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 beaucoup de Libanais, ils insultent Dieu, tout ça, après ils te disent « Non, j'étais en colère, le cœur a apaisé. » Mais c'est pas juste, tu insultes Dieu et tu te dis « Je suis musulman, ma'azallah. » Il رضي أبي حنيفه رضي الله عنهما انه اذا اختلف الناس على 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير يؤخذ بهذا القول ويوردون ذلك في الكلمه الصريحه في الكفر هذا لا اصل له ولا يثبت عن احد منهما. Alors on, on répète que ce qui certains prétendent que s'il si y a 90 avis ou plus de De, de déclarer mes créances suite à une parole explicite, suite à une parole explicite dans la mécréance, et que 90 savants dit c'est de la mécréance, et un, il a dit c'est pas de la mécréance, on prend l'avis de celui qui a dit c'est pas de la mécréance. Mais ce n'est pas logique ça, c'est pas quelque chose à accepter. Comment tu peux te sentir à l'aise en faisant la contradiction à 90 Et, comment, et si c'est les 90, c'est avec eux l'argument et la preuve c'est avec eux, il y a l'argument et l'épreuve et tu délaisses tout ça et tu prends un avis singulier, chave, مثلا et il y a des gens qui attribuent ça à Malik et Abu Hanifa, c'est pas juste du tout, il n'y a pas ça dans leurs livres, ni les grands livres ni les petits livres, il n'y a pas ça وإنما الذي في عبارات الفقهاء الحنفية والمالكية وفي مؤلفاتهم أن من تكلم بلفظ له أوجه عديدة C'est ce que je j'ai expliqué au début. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres Hanafit et Malikit que si la parole, la phrase qu'il a dit, elle peut avoir un, deux, trois sens dans la mécréance et un sens il n'y a pas de la mécréance. S'il a voulu ça, il n'y a pas de mécréance. Alors les savants ont dit ne faut pas le déclarer mécréant parce qu'il y a une possibilité qu'il a visé le sens où il n'y a pas de mécréance. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est juste. Et ça, c'est juste. La personne, il a dit telle phrase, dans un sens où il n'y a pas de mécréance, pourquoi on va le déclarer mécréant Même s'il a deux, trois sens autres où il y a la mécréance, mais lui, il n'a pas voulu ça. C'est ça qui a été dit par Al-Hanafiya ou al -Maliki, al. الكلام يحتمل مثلا اوجه عديده في الكفر وجه واحد يحتمل انه اراد معنى اخر ليس كفرا لا يحكم عليه بالتكفير حتى يعلم انه اراد المعنى الكفريه الا يقول المتلفف به انه أراد غير ذلك الوجه يعني أراد إحدى المعاني الكفرية فلا ينفعه فتوى المفتي وتبين امراته. Supposons lui il a dit mais moi j'ai voulu j'ai visé tel sens où il y a la mécréance et la mécru. Même si le mufti il a dit moi je le déclare pas mécréant parce que le mufti il n'a pas su dans quel sens a dit alors lui il a mécru son épouse sera séparée de lui. ومعنى هذا أن الله الذي يتلفظ بلفظ له معانٍ وله معنى واحد لا يقتضي التكفير والمعاني الاخرى تقتضي التكفير لا يحكم بكفره الا ان يقول انه اراد المعنى الكفري وقد ذكر للفظ الذي له عده معاني بعضها كفر وبعضها ليس كفر مثال عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه مجتهد محمد بن الحسن الشيباني وهو ان الرجل اذا قيل له صلي ايل دوني ان اكزومبل سي اون دي ان Fais la prière, prie, fais la prière. Alors il a dit, je ne prie pas. Voilà les détails. S'il si a dit, je ne prie pas parce que je viens de prier, il faut pas dire qu'il a mécru. On est d'accord. S'il a dit, je ne prie pas. Pour ta parole, moi je prie tout seul à mon c'est pas toi qui me dis moi je prie c'est pas toi qui m'ordonne c'est moi qui prie lorsque je veux encore il n'a pas mé cru si, il a dit je ne prie pas parce que je suis paresseux je ne suis pas un bon musulman je suis et il n'a pas nié l'obligation, mais pour dire que je suis dans un mauvais état, je ne prie pas parce que je ne suis pas un bon musulman. Encore, il n'a pas mécru. S'il dit, je ne prie pas parce que je me moque de la prière, ça n'a pas d'importance pour moi, et il a mécru. Alors, voilà, lui, au début, il a dit, là au Alors Dans quel Parce qu'il a déjà prié parce que c'est pas toi qui. Moi, je ne veux pas écouter. Moi, je prie quand je veux. Ou parce que je suis un mauvais musulman, je ne suis pas un bon musulman. Il n'a pas m'écru dans ces trois cas. Mais s'il dit, je me moque de la prière, la prière n'est pas quelque chose de bien. Alors, il a m'écru dans ce sens.

où il a nié quelque chose confirmé dans l'islam d'une manière catégorique. Ça a été bien confirmé, l'obligation de la prière, l'interdiction de l'alcool, ainsi de suite. Il nie ça, il a mécru, même si après il y a des gens qui disent non, il n'a pas mécru. Même s'ils si sont nombreux, on ne donne pas d'importance à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais plutôt, il faut suivre la vie là où il y a l'argument et les preuves. Wallahu subhanahu wa ta'ala, ala wa والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا